Bonjour, je suis Shamu. Bienvenue sur la chaîne Chinois Authentique. Le riz est un des aliments principaux de la cuisine chinoise et il est facile à faire. Ainsi, pour ce premier cours de cuisine chinoise, je vais vous apprendre à préparer du riz à la chinoise. Alors, riz en chinois, c'est mi. Au troisième ton, mi. Mi. Quand le riz est cuit, on dit mi fan. Troisième ton plus quatrième ton. Mi fan. Mi fan. Mi fan. Pour les caractères mi et fan, on les écrit comme ça. Si vous voulez dire « j'aime le riz », en chinois, on dit « 我喜欢吃米饭 ». « 我 »« je »« 喜欢 »« aimer »« 吃 »« manger »« 米饭 »« le riz »« 我喜欢吃米饭 ». Wa si huan chi mi fan. Wa si huan chi mi fan. Ok, maintenant je vais vous montrer comment faire le riz à la chinoise. 视频中你们看到的这个米是我在亚洲超市买的泰国米。首先我们需要一个量杯，然后把米倒进去。一般一个人一次需要50到80克的米，所以你可以根据自己的情况选择到多少克米。在中国，我们做饭是用电饭煲，但是在法国却很难买到中式的电饭煲，所以这里我教大家用不粘锅就可以做出同样味道的中式米饭。那我们需要一个这样开口比较小的不粘锅。把刚刚晾好的米倒进去，加一点水，洗一下，再把水倒掉，然后加入同等体积的常温水。注意，是同等体积，而不是同等重量。盖上盖子，静置至少半个小时，让米充分吸收水分，因为这样可以减少烹饪的时间，同时保留米饭的香味。选择最小的火，盖上盖子，煮15分钟。如果米很多的话，煮的时间就会相对长一点。记住，煮的时候最好不要拿开盖子，不然米饭的香味就会减少。15分钟之后，关火，再等5分钟。好了，香气弥漫的中式米饭就做好了。大家可以看到，中式米饭的做法最后是不需要倒去多余的水的，这也是中式米饭和西式米饭做法的最大差别，所以它们最后的口感也是不同的。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你们喜欢更多这样的美食视频，请给我留言，然后订阅我的频道。谢谢大家，我们下个视频见，拜拜。